Yesu azala bobo. Yesu azala zame. Abo que la paix apambo la yo moutino ye meni o bine liye la bobo la Yesu Christo. Vraiment, sans plus tarder, c'est que pas n'akolo a te ya yo. Oye bien ou bien, et comment mi boye. Ceux qui m'ont dit qu'ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Donc, ils ont été mis en place. 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 Ezali pe okoza no bileko so seko bondela ete nzapa kokisela yo yango tika pe motei na maboko na kolo tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Oui, nzambe na bobo ntango ekoki po ete okokala koteya biso naboko na mitiki na maboko na yo ete olobela ngai liloba na bobo liloba oyo ekangolanga ebikisaka pe epambolanga ntango nyonso. Na mama ya boye na lobaka toujours que Yahweh iloba oyo esala mosala kati na kolongola mabe nyonso oyo ezoumela nano kino wana na bomoi nanga pe Yahweh kobakisela ngai ya malamu oyo nano nabikeli te kati na nzela sango malamu no na seko parole oyo eza na pouvoir wana na makoki ya korealize yango kati na bomoi nanga mingi mingi koleka kolo. Il va aller loin, pas qu'il s'en a condima, pour être en accord avec mon analyse. Utilisez puissamment mon salin pour la tienne à communiquer sur mon oracle. Pour qui s'en va pour la roue d'ailleurs, la coupe d'ailleurs, que l'on me consigne mon mix dans le Christo. Alors, amen. Amen. Voilà, vous autres les messages. Prophète Jean et l'on a traducteur pour la côté à Ecclesia Nakolo, Caribou. Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Ah, que Jésus-Christ voilà. Vraiment, que Jésus-Christ te bénisse. La journée d'aujourd'hui, nous l'avons obtenue par la grâce du Seigneur. Le 20 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2021. Et le Seigneur soit capable de sur ce temps. Et si le Seigneur nous a donné ce temps, c'est parce qu'il a un grand travail à faire avec nous. Zala certain de Dieu. Le Seigneur opère. Le Seigneur que tu sers ne ment jamais. Il est le Dieu vivant. Vérité solo. La vérité, c'est lui en personne. Et tu es dans la joie, heureux parce que tu pries le véritable Dieu. D'autres personnes adorent des créatures. D'autres se prosternent devant des arbres. D'autres adorent les eaux, la mer. Mais toi, tu adores celui qui a créé toutes ces choses-là, bien-aimé. Il faut avoir cette fierté-là. Il faut te dire que j'appartiens à Dieu. Je suis appelé de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Il faut sentir que ta marche, tu es en train de gravir jusqu'au sommet de la montagne, tu ne recules pas. Que ça soit dans ta vie spirituelle, il faut grâce du Seigneur faut davantage. Il faut que les dons, les grâces du Seigneur s'ouvrent davantage. Il faut que tu aies cette foi là en toi.
que ce soit dans tes activités, que on prospère à tous égards. Bien le mieux que tu n'y bosses dans ma camionion. Qu'on prospère l'état de ton âme. Le lien que mon lema n'a eu ce que tu n'y bosses dans ma camionion. Voyez pas que dans mon boyo, tu seras plus que vainqueur. Il faut savoir que dans ce voyage, tu as ni balon qui colleca. Nous combattons dans la victoire. Ton bunda kanakati est longa. Tous yeux longa. Nous avons obtenu la victoire. Que Jésus soit béni, bisso. Que Jésus Christ nous aide. Mais tous ont bunda déjà. Et nous combattons dans cette victoire. La netti combat encore indifférent. C'est comme un combat qu'on ne fait que revenir dans la victoire nous avait déjà été. Donc c'est ça les mains déjà. C'est combat qui était déjà passé. C'est comme Josué a détruit tous les fils d'Anak. Et ça le coup la Yoshua oh ya bomi bana Anak agnios. Et banobi qui attend moi na Anak attend mon côté à la guisuna Hébron. Et la Bible dit qu'il ne resta aucun fils d'Anakim en Hébron. Dans Josué 11 verset 21 à 22. Dans Josué chapitre 11 de verset 21 à 22. Et dans Josué 15 verset 14. Et on est venu dans Josué 15 de verset 14. Caleb chassa les fils d'Anak. Banobi Caleb nous croyons que le véritable Josué a exterminé Gignos. Nous croyons que le véritable Josué avait tout exterminé. Lui-même avait dit à la fin de son combat, tout est accompli. Qui peut déclarer ce déclaré. Qui sait que lui l'a déclaré. Tout, tout, Jésus a tout accompli. Il n'y a rien qu'il n'a pas accompli. Il l'a tout accompli. Par l'œuvre qu'il a accompli, nous lui disons merci. Parce que nous n'en étions pas dignes. Nous étions des esclaves. Les esclaves du péché. Les esclaves du monde des ténèbres. Mais nous disons merci au Seigneur. Parce que ceux qui t'ont cambolé, mis ton jus, bas son issue, ça par grâce. Parce que si nous sommes sauvés, délivrés, c'est par sa grâce. C'est pourquoi nous avons vraiment l'assurance dans mes thèmes à la mission. C'est pourquoi nous sommes très rassurés dans nos cœurs. Que le Seigneur a longo les missions dans mon poulou. Que le Seigneur nous a fait quitter des troubles, la parce confusion. Parce qu'à longo la mission dans confusion. Parce qu'il nous enlève dans la confusion. Pour éclairer notre chemin. On a congéni ça, c'est là la mission. Et c'est tout que Dieu a sa mission grâce. Et surtout que le Seigneur nous accorde la grâce. Que nos yeux ne soient pas sur la terre. Mais que nous puissions voir les yeux sur le Rédempteur lui-même. Parce que d'autres travaillent en ayant les yeux sur la terre. Car il sert le Seigneur pour des choses terrestres. Mais biso d'abord Yannicolo. Regardons d'abord les choses célestes. Et ce que cela ne s'arrête pas là parce qu'il y a le par-dessus. Et assez. Et les choses maintenant terrestres. Nous ne sommes pas des gens qui nous rendons au marché. Dans chaque place, nous avons des cas au tiens ma tabis. Dans chaque place, là, on va. Donc, tu apportes vraiment ton panier. Tu arrives vraiment là, on va le haricot. Matabis. Matabis. Il faut ajouter encore par-dessus. Donc, toi, tu viens seulement chercher les matabis. Tu arrives là, on va le directement, tu t'arrêtes là. Tiens, matabis. Matabis. Je vous dis que ça nous va bien au folle. Je vous dis que tout le marché va t'appeler une femme folle. Au cotisant de caca pour la maman tabis. Toi tu te rends au marché seulement pour qu'on t'ajoute. Le Seigneur appelle tout besoins, tous nos besoins terrestres. Donc ce qu'on ajoute par-dessus là. Chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pourquoi il avait dit bon Luca y a mon contia ma colo. Si tu entres ici. Il ne faut pas venir d'abord pour les choses terrestres. Non. Non. Y a d'abord pour la molimona et comment. En conformité avec la parole. Viens pour que ton esprit soit conforme ou en conformité avec la parole. Et après, le Seigneur va t'ajouter autre chose. Linga vraiment en communion avec le Seigneur. Désire être en communion avec le Seigneur. Pour découvrir le trésor ni nzambati na katina yo. Et tu découvres quel trésor le Seigneur a enfoui en toi. Ezana litomba makasi. Et cela est très important. Que Dieu te bénisse. Amen. Tozui. Texte, nous toujours
Nous prenons notre texte toujours dans les sept sceaux. Nous sommes au quatrième sceau. Nous sommes au quatrième sceau. Nous lisons le verset 7 et 8. Nous lisons le verset 7 et 8. Et Apocalypse 6. L'Apocalypse chapitre 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ et on va nous aider avec la traduction par le pasteur. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici pari un cheval d'une couleur pâle. Celui qui est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sur les cartes de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse cette lecture. Tout en voilà qui déjà par la grâce de Dieu n'a pas été enseignement sur les eaux. Nous avions déjà marché par la grâce de Dieu dans cet enseignement sur les eaux. Dans Moutozo, le verset sur le quatrième saut. Lorsque nous parlons sur le quatrième saut, on était allé montrer comment le Seigneur a fait les choses du temps d'Israël. Nous avions pris les langages que le Seigneur avait donné par rapport à son point de vue sur Israël. Psaume 80, verset 9. Nous avions pris Psaume 80, le verset 9. Et là-bas, on a vu le Seigneur présenter Israël comme une vigne, un arbre. Et on avait vu comment le Seigneur avait planté Israël dans la terre promise. Et on avait aussi que Zambé a talaka Israël comme l'ibota oyaye. Et nous avions vu que le Seigneur regarde Israël comme le peuple qui lui appartient. Mais au fond d'un amabele oyaye c'est qui Abraham. Mais demeurer ou posséder la terre qu'il avait donnée à Abraham. Israël possède Israël à tous amis beko yanzambé. Cela demandait que Israël puisse obéir au commandement du Seigneur. Nami beko oyozamba pesa kiye. Et le commandement que le Seigneur lui avait donné. Et ces commandements parlaient au sujet de bénédiction. Et ces commandements parlaient aussi de malédiction. Et deux passages. Et nous nous étions basés sur deux passages. Nous avions d'abord pris Deutéronome 28. Nous avions montré qu'en ce qui concerne la bénédiction, quand Israël obéit, lorsqu'Israël obéit, les bénédictions qui lui arriveront, dans Deutéronome 28, verset 1, verset 14. On avait vu dans Deutéronome 28, le verset 1er jusqu'au verset 14. Et même dans Lévitique 26 aussi. Même aussi dans Lévitique 26. Donc on est toujours dans le verset 1er, ok, dans le verset 13. Si tu commences à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Là, tout le monde a la bénédiction quand le peuple les obéit à la parole. Là, nous voyons des bénédictions lorsque le peuple est obéissant. Maintenant, tu remarques qu'il y a le verset 15e, il y a Deutéronome 28. Maintenant, nous avions remarqué au verset 15 de Deutéronome 28. Quand Israël désobéit à la parole. Quand Moïse allait la Zanikoubou. Le Seigneur avait parlé des malédictions qui seront son partage. Verset 38, il y a Deutéronome 28. Nous avions pris le verset 38 de Deutéronome 28. On a demandé qui est-ce qu'Israël a rejeté la parole. Là-bas, on avait vu que si Israël rejette la parole,
Le Seigneur enverra contre Israël des insectes, des sauterelles. Maintenant, on voulait comprendre c'est quoi ces sauterelles. Bébé, que sauterelles, on avait vu que les sauterelles parlent en lingala des magnonions ou des mabank. Naturellement, ils allaient insectes ou des yaka matites. Naturellement, ce sont des insectes qui mangent la verdure ou des arbres. Mais ils ont utilisé la biologie physique pour expliquer mankambozana spirituellement. Mais le Seigneur utilise des choses physiques pour expliquer celles qui sont spirituelles. C'est pourquoi nous avions dit qu'une écriture est toujours expliquée par une autre dans la Bible. On voulait comprendre c'est quoi le sauterelle. On avait pris les textes de Juges chapitre 6. On avait pris le verset 3 et 4. On a demandé qui Là-bas on nous avait dit quand Israël s'aimait, les Madianistes montaient avec les Amalécites et le fils de l'Orient, ils montaient contre Israël pour détruire les productions des champs d'Israël. Et ce qu'on a verset 5, il y a Juges chapitre 6. Et si tu te rends au verset 5 de Juges chapitre 6, le bique basalaki commenta. On avait dit qu'ils montaient avec leurs tentes et campaient en face d'Israël. Et ils venaient comme une multitude de sauterelles. Par là, tu comprends. Et par là, nous comprenons. Si Israël a une parole, si Israël rejette la parole, le Seigneur attire la gaie, ma nation va y dominer. Le Seigneur envoie contre Israël des nations pour le dominer. Maintenant, nous avions pris aussi les textes de Lévitique 26. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Si Israël a rejeté la parole. Si Israël rejette la parole, quelles sont les malédictions qui lui arriveront? Nous utilisons le verset 22 et Lévitique 26. Nous avions utilisé le verset 22 de Lévitique 26. Zamba Koutine de la contre Israël, ma bête des champs. Le Seigneur enverra contre le peuple le bête des champs. Alors ces deux passages. Alors ces deux passages de la Bible. Deutéronome 28, verset 38. De Deutéronome 28, le verset 38. Et puis Lévitique 26, verset 22. Et celui de Lévitique 26, le verset 22. Tomé mis en haut na Daniel 7, na Joël 1, verset 4. Nous les avons amenés dans Daniel 7, verset. Daniel 7, le verset 1 à 8. 1 à 8 et dans Joël 1, 1 à 4. On les avait pris dans. On avait commencé aussi avec l'écriture d'Ésaïe 5. Lorsque nous avions pris Ésaïe 5, on avait vu que les textes qu'on avait lus dans Psaume 80, le verset 9, qui nous dit que le Seigneur avait arraché une vigne de l'Égypte. Et il est venu chasser les nations pour les planter. Maintenant, Esaïe chantait cet événement. On avait pris le verset premier. Esaïe chapitre 5. Et puis, tout à l'heure, c'est une explication à vie. Et on avait parlé de l'explication de la vigne. Dans le verset 7, il y a Esaïe 5. Au verset 7 d'Esaïe 5. Dans le bien, la vigne de l'Éternel, c'est Israël. Vigne, il y a Yahweh, Dendako, il y a Israël. Maintenant, pourquoi on avait pris Esaïe chapitre 5? Dans Esaïe 5, tout à l'heure, d'abord, qu'il y a appelé à Israël deux choses. Dans Esaïe 5, on avait vu que le Seigneur avait pourvu deux choses à Israël. Appelé à Israël la tour. Le Seigneur l'avait pourvu d'une tour. Et le Seigneur lui avait donné aussi une cuve. Donc comprenez que tour est un poste, il y a prophète. Et on avait compris que la tour c'est le lieu du travail d'un prophète. Et cuve où il bon bakamai. Et la cuve qui renferme de l'eau. La poissonga pour la zété. C'est pour aider l'arbre. Esaïe côté sa sacrificature. Et cela représentait la sacrificature ou les sacerdotes. Des choses où on a appelé Israël. C'est des choses que le Seigneur avait pourvu Israël. La sacrificature et le prophète.
Les sacerdoces et la prophétie. C'était pour aider le peuple à produire des bons raisins. Mais Ésaïe 5 était ici mission au verset 3. Mais Ésaïe 5 nous a montré au verset 3. Et Israël a produit à bien terre. Israël n'a pas produit de bons fruits. Le Seigneur l'a dit dans la menani. Le Seigneur s'était posé la question, que ferai-je à ma vigne? À l'obi, dans verset 5. Il a dit au verset 5. À Kolongola la haie. J'en arracherai la haie pour permettre que nous étions aux vignes Israël et à la brouter. Pour permettre à ce que la vigne qui est Israël soit dévorée. Cette écriture d'Ésaïe 5. Cette écriture d'Ésaïe chapitre 5. Verset 5. Le verset 5. Ils ont aidé Bissot. Nous aide, bien-aimés. À comprendre. À comprendre. Et ce qui insecte a brouté, arbre a péri. Israël. Que si l'insecte broute ou dévore l'arbre appelé Israël, c'est que le Seigneur a ôté sa sécurité. Pourquoi nous faisons cette marche? Pour faire la différence entre Israël et nous. L'église pèse arbre. L'église aussi est un arbre, bien-aimé. Mais l'église est un arbre où nous avons la sécurité. Mais l'église est un arbre où le Seigneur n'enlèvera pas sa sécurité ou sa clôture. Alors, Baki, je serai toujours avec vous. Jusqu'à la fin des siècles. Pour l'église, un peu de temps, vous ne me verrez plus. Pour l'église, mais un peu de temps, vous me verrez. Car je serai en vous. Pour l'église, il est en nous. Et l'écriture nous dit dans Ésaïe 59. Et l'écriture nous dit dans Ésaïe 59. On craindra le nom de l'Éternel de l'Orient. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en feu. Là où il y a l'Esprit de l'Éternel, et si quand au Molimo ya Yahweh Zali, l'ennemi peut venir, Munguna Kokina Koya, mais il ne vaincra jamais. Or, l'Esprit de l'Éternel, c'est la présence de Christ et Jésus dans l'Église. Molimo ya Yahweh Zali, Bozali Sami, à Christ, on a quatre Ecclésia. Azotika jamais Église. Le Seigneur n'abandonne jamais l'Église. Yango Moni, tous on peut savoir des bases. Il y a l'écriture. C'est pourquoi nous donnons des bases bibliques. Que tant que tout a dit, action aux Ezali, Nandoto et Daniel. Lorsque nous voyons l'action qui est dans le songe ou la vision de Daniel, Amoni les animaux. Daniel avait vu des grands animaux. Maintenant, tu y es vu très bien. Maintenant, nous savons très quand bien. Quand est-ce que le Seigneur a tombé dans les animaux? Quand est-ce que le Seigneur élève des animaux? Après, c'est la réponse dans Lévitique 26, verset 22. Il nous avait déjà répondu dans Lévitique 26, le verset 22. À côté dans les animaux des champs contre la maison d'Israël. À côté de la banyamazamba, bayako, bundisaïsa. Ceux qui va rejeter parole. Ceux qui salent la voix qui l'inoba. Alors maintenant, Daniel 7, dans tout maintenant, lorsque nous remarquons dans Daniel 7, le lion, on voit le lion, l'ours, on voit l'ours, léopard, on voit les léopards, verset 7 à Daniel 7, on remarque encore au verset 7 de Daniel 7, quatrième animal, on voit le quatrième animal, mais Daniel n'a donné qu'une seule caractéristique dans cet animal. Il avait 10 cornes. Daniel n'avait pas décrit ce quatrième animal. Toujours dans Daniel 7, si tu te rends toujours dans Daniel chapitre 7, à partir verset 17, regarde à partir du verset 17. Dans Daniel, il tourne l'ange pour comprendre pas Nyamana. Quatrième animal, Nicolobanini. Lorsque Daniel posait à cet homme la question pour comprendre la signification du quatrième animal, et bien, il dit que les quatre animaux d'abord sont quatre rois. On avait répondu à Daniel que ces quatre animaux sont quatre rois. Comprendre que roi est aussi un royaume. Comprends que le roi représente aussi le royaume. Et Azaï Kotari Saki, le royaume Moana. Et pour l'andana mokona si mamoususu, ozwaki bokonzi na mabere. Et on montrait à Daniel que ces royaumes-là vont se succéder l'un après l'autre dans la domination de la terre. Et c'est ce que tout à l'heure. Et c'est ce que nous avions remarqué.
Mais qu'est-ce qu'on avait vu là-dessus? Joël chapitre 1er. Nous avions pris Joël chapitre 1er. Lorsque nous avions lu le verset 1er jusqu'au verset 4. Le message du Seigneur. On a vu le message du Seigneur. Que Batindi Gazam Soterel Agil na Jelek. On a envoyé les Gazam, la Soterel, le Asil et le Jelek. Pona Bakwakolia Arbre. Pour dévorer l'arbre. Déjà, tu as besoin d'un verset. Ouais. Déjà, lorsque tu vois ces versets, rendez-vous directement dans Ésaïe 5, verset 5. Rendez-vous directement dans Ésaïe 5, le verset 5. Insecte aliaka arbre. L'insecte broute l'arbre. Ce qui zamba l'omoli la e. Si le Seigneur ôte sa clôture. Ce qu'on a dit, c'est les années. Donc, tant que Joël 1, non, lorsque nous lisons Joël chapitre 1, et début sur ton comprend, cela nous aide à comprendre. Et lorsque nous lisons Joël 1, les années que Zambé a dit qu'il n'a pas peuple. Donc, ce qui se dit dans Joël 1, cela veut dire que le Seigneur a abandonné d'abord son peuple. A livré en vous. Le Seigneur a livré son peuple. C'est ça Joël 1. C'est ça Joël chapitre 1. Balobéli, c'est quatre insectes. On a parlé de ces quatre insectes. Pourtant, c'est qui que l'insecte n'y en soit. On avait montré que tous ces quatre insectes. Il y a Mokaka, quatre grandes nations, où il y a le même comme la bête des champs, dans Daniel 7. Sont les quatre grandes nations qui sont dites en forme des quatre grands animaux dans Daniel 7. Et tout tanga qui va kumbo na bango. Et nous avions donné leur nom. Yanibusuisa Babylone. La première nation c'était Babylone. Na écriture wana ya Daniel. Par rapport à cette écriture de Daniel 7. Parce que avant Babylone il y avait Égypte na Assyrie. Parce que avant l'empire de Babylone il y avait l'Égypte et l'Assyrie. Mais awa wa ezobanda kobanda tant au Babylone a régné. Mais Daniel 7 commence à partir du règne de Babylone. Et Azomona, lion. Il voit le lion. C'est Babylone. Né Babylone. Après Babylone, tant que Babylone a Boyaki. Et lorsque Babylone est tombé, Médo-Perse, c'est Yakinaki Boko. L'empire Médo-Perse, mais Perse l'a succédé. Après Médo-Perse. Après l'empire Médo-Perse. C'est qui dans Grèce? C'était l'empire grec. Après Grèce, après l'empire grec, Rome, c'est l'empire romain qui avait régné sur toute la terre. L'empire romain, du temps du règne de l'empire romain, des temps où Jésus est là. C'est le temps qu'est venu le Seigneur Jésus. Na Israël. En Israël. Parce que tout le monde a qui? Parce que nous avions vu. Roi César, roi des Romains. Le roi César, le roi des Romains. Tango Maria Zangena en grossesse. Lorsque Marie était encore enceinte, il dit à roi César et la recensement sur toute la terre. Et il dit du roi où son ordre était qu'on puisse faire les recensements de toute la terre. Mais ordre à César et Zaraki. Mais l'ordre de César était que chacun puisse retourner dans sa ville pour pouvoir se recenser. Rome n'a encore régné sur toute la terre. Et seulement cela représentait que c'était Rome qui régnait sur toute la terre. Politique, royauté, donc la domination de la terre, le pouvoir était entre les mains de Romains. C'est à ce temps-là que Jésus a botami à Israël. Et c'est en ce temps-là que Jésus fut né en Israël. Jésus a sali ministère naïe. Et Jésus a accompli son ministère. Selon Luc 13, verset 31 à 33. Selon Luc 13, le verset 31 à 33. Assisi Moussala naïe. Il a fini son ministère. Et l'okotomona kezani. Qu'est-ce que nous avions vu là-dessus? Dangwa Koufaki. Lorsqu'il rendit l'âme. Batombo et Fungwamaki. Les sépulcres des saints s'ouvrirent. Là, nous avions pris Matthieu chapitre 27. Verset 52 à 53. Le verset 52 à 53. Et dans quoi c'est quoi qui? Et lorsqu'il fut ressuscité, les saints sortirent de leur sépulcre. Là, c'était des prophètes et des justes qui étaient avant. Mais Paul a le dit encore. Mais Paul a dit encore. A le bien dans Éphésiens 2, verset 6. Il a dit dans Éphésiens 2, le verset 6. Quand Jésus a osé. Lorsque Jésus ressuscité, on était ensemble avec lui dans sa résurrection. Parce que le sacrificateur
pectoral na 12 pierres. Le souverain sacrificateur a sur sa poitrine le pectoral du jugement qui a 12 pierres. Oui, dalisaka bana nyonso ya Israël. Qui représente le 12 fils de Jacob. Lolenge moko biso aussi. De la même manière nous aussi bien-aimés. Zalaki na tolo ya Nzambe. Nous étions sur la poitrine de Dieu lui-même. Yango Paul azolo ba nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. C'est pourquoi Paul dit au c'est quoi elongo na Jésus Christ. Nous sommes ainsi ensemble dans les lieux célestes. Petofandi elongo na ye na makolo. Elongo ni tozoana. Qu'est-ce que nous prenons là-dessus? Le Seigneur a besoin d'un peuple. Le Seigneur est venu prendre un peuple. Amati na biso na makolo. Il est monté avec nous dans les lieux célestes. Na le roana royaume quatrième royaume ezorenye. Et pendant ce temps-là, c'était le règne du quatrième royaume. Et nous avions l'écriture. Et nous avions pris l'écriture. Que le Seigneur annonça qui? Que le Seigneur avait annoncé. Dans Luc 19. Dans Luc 19. Verset 41 à 44. Au verset 41 à 44. Israël a rejeté la parole. Il avait montré que comme Israël a rejeté la parole. Parce que parole est à Jésus. Parce que la parole c'est Jésus Christ. Jean chapitre 1er le dit. Jean chapitre 1er dit ceci. Il est venu chez les siens. L'inobéya qui est pas bande konaye. Et les siens ne l'ont pas reçu. Peu bande konaye ba yambi ete. Donc ses frères l'avaient rejeté. Et son pouvoir de parole. Mais non, si tu rejettes la parole. Selon Deutéronome 28 verset 38. Selon la loi de Deutéronome 28 et 38. Un secte koya kolia yo. Donc ma banque to manyanyo segi koya kolia yo. C'est pourquoi nous avions dit dernier insecte qui est à Gaza. Le dernier insecte qui est le Gaza. Dans Joël 1 verset 4. Dans Joël 1 verset 4. Et il montre sa quatrième bête qui est dans Daniel 7 verset 7. Représente la quatrième bête qui est dans Daniel 7 verset 7. Donc le Seigneur annonça. Le Seigneur avait annoncé. Israël, Jérusalem. Jérusalem, Israël. On viendra t'environner des tranchées. Et on viendra te détruire. Oui, c'est qu'il y a pour prendre Israël. Donc celui qui devait venir détruire Israël, Gaza. C'était le Gaza. Dernier insecte. Le dernier insecte. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, dans quatre lectures, Nabisso. Maintenant, dans notre lecture, bien-aimé. Toluka qui toluka. Quatrième animal, déjà Rome. On avait cherché à comprendre le quatrième animal que nous nommons déjà comme l'empire. Le lengue azali. Sa manière ou sa structure, sa. Et qui tout à Apocalypse 13. Cela nous avait poussé à lire Apocalypse 13. Verset 2e. Le verset 2. Alobi na katia niamawan. On a dit que dans cette bête. On a cité les trois précédentes bêtes qui sont dans Daniel 7. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Nous les prenons par la grâce du Seigneur. Verset 2e. Le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La bête que je vis était semblable à un léopard. Niama oyo na monaki akokanaki nankoi. Léopard azali awa na Daniel. Le léopard se retrouve là-bas aussi dans Daniel 7. Azana Daniel 7. Il se retrouve dans Daniel 7. Total qui est déjà. Nous l'avions déjà vu. Il faut que nous le lisions aussi. C'est on a très bien. Parce que la répétition enseignement aussi est salutaire et nous assiste. Azana dans Daniel 7. Daniel chapitre 7. Ah, verset 6. Le verset 6. Azana comme troisième animal. Le léopard, le troisième animal. Oazotalisa, empire grec. Qui représente l'empire grec. Donc la Grèce. Grèce. Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard. Nasimaona na talaki nyamamoko akokanaki na nkoi. Léopard, yeye na Apocalypse 13, na katia bête moko. Ici, le léopard dans Apocalypse 13 dans une bête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Nyama oyo na monaki akokanaki na nkoi. Ses pieds étaient comme celui seul un ours. Makolo na ye kokanaki na ya ngombolo. Donc, il est toujours dans Daniel 7. Toujours dans Daniel 7. Verset 5. Le verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Et là, il y a un animal qui a coquiné qui n'a pas mollo. Dans une Apocalypse 13. Apocalypse 13. Dans verset 2e toujours. Verset 2. Sa gueule était comme une gueule de lion.
Monoko na ye ezala ki lokola monoko ya kosi. Tozongi na Daniel 7. Nous retournons encore dans Daniel 7. Totali verset 4. Regardons les versets 4. Les premiers étaient semblables à un lion. Nyama limoso akukana ki na kosi. Donc cela veut dire nyama oyo ya mimi. Oyo Daniel 7 verset 7 alobi. C'est quatrième animal dont nous parle Daniel 7 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible. Saumon. Épouvantable. Abangisa. Et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 corps. Apocalypse 13, verset 1er. Nous avons vu cet animal dans Apocalypse 13, verset 1er. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 corps. Et cette tête, et sur cette tête, 10 diadèmes, ses corps, et sur cette tête, des noms de blasphème. Donc, Nyamaoyo Batangi, dans verset 7, il y a Daniel 7. L'animal dont on a fait mention dans Daniel 7, le verset 7. Yéwana na Joël 1, verset 4, Gaza. C'est le même qui est dans Joël, chapitre 1, le verset 4, comme l'insecte Gaza. Yéwana nena, Apocalypse 13, verset 1er, na 2e. Et c'est lui-même là qui se retrouve dans Apocalypse 13, le verset 1 à 2. Oh! L'Empire romain. Mais tous les gens qui ont présenté l'Empire romain à Sangisi, Banyama, Obazala qui a vaillé la Katinaï. Et nous voyons l'Empire romain être présenté comme un empire qui a mélangé tous les animaux précédents. Et ça n'est l'itondi. C'est comme la plénitude. Et Dieu bénisse. Amen. Alors nous avions marché petit à petit pour comprendre. Parce que tomoni que Zambe ayaki po abuka Israël. Parce que nous avions vu le Seigneur était venu pour cueillir les fruits en Israël. Et les mots à lui qui est là qui na posa kolia a posa ni pepe ni anzete. Dans les signes on nous montre Jésus qui vint et qui s'est approché du fils. Et il a cherché le fruit, mais le fruitier n'a pas donné le fruit. Le Seigneur montrait la mission qu'il était venu accomplir à ces temps-là. Donc il était venu cueillir ou moissonner du temps du quatrième royaume. Il est venu ou moissonner pour l'église. Et la même, de la même manière pour l'église du Seigneur qui était là. Le Seigneur a quoi besoin pour fruire arbre dans le quatrième saut. Le Seigneur viendra moissonner le fruit de cet arbre au quatrième saut. Pour l'enlèvement. Pour la linéthobassante. Alors nous avions montré. Nous avions vu que la couleur qu'on a donnée ou peint au quatrième cheval. Pâle. La couleur pâle bien verdâtre ou la couleur verdâtre et sangisi balangi nion sezan a trois chevaux. Cette couleur a mélangé toute le trois chevaux. Et là il faut soso. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Il faut soso la boye. Tu dois comprendre ceci que misala nion sezala kina été des animaux. Donc toute cheval. Vous prenez l'œuvre du deuxième cheval. Vous prenez ce qui était dans le troisième cheval. Et toutes ces œuvres-là des trois premiers chevaux se retrouvent dans le quatrième cheval. Parce que le quatrième cheval renferme tous les trois chevaux. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant cet animal là. Oyo azana Apocalypse 13. La bête qui est dans Apocalypse 13. Tozoyo komona ye na Apocalypse 17. Nous venons le voir dans Apocalypse 17. Aza vraiment comme fondement ya femme appelée femme prostituée. Aza pensa beaucoup ya moisieur abengami moisi ndou.
Lumumba. Donc ce qu'on t'a dit, femme prostituée en Apocalypse 17. Donc si tu remarques la femme prostituée dans Apocalypse 17, Bible le dit au verset 7. La Bible dit au verset 7. Il apparaît ici. Et l'ange me dit, pourquoi te donnes-tu? Moi, je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte. Qui a sept têtes et 10 corps. Vraiment la femme, oyoyo. Vraiment cette femme bien-aimée. Oyasombe maende nyama wana tomoni azana azako lion lous léopard. Celle qui la porte, c'est la bête qui est semblable au lion, à l'ours et au léopard. Donc misala nyonso zomona na katia femme. Donc toutes les œuvres que tu peux voir dans la femme, parce que nyama talisaka nguya, parce que la bête représente la puissance. Et ça de ma part, cette bête, mais dans quatre femmes. Mais c'est cette bête qui l'accomplit dans cette femme. Il y a ce troisième, quatrième saut. C'est pourquoi si tu prends le premier, deuxième, troisième et le quatrième saut, au moniba chevaux. Vous voyez ces chevaux là. Naba matipundawan. Et c'est que nous sommes sur la makomi. Et ça met en garde mon abysso église. C'est comme de notre côté à nous l'église. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Et on peut se tableau et vie à l'église qui n'a l'inéto. Nous donne le tableau de la vie de l'église jusqu'à son enlèvement. Et là qui si moi si mon corps. Cela nous montre une femme. Et les brisalimina makolo. Un grand signe qui parie dans les ciels. Moi si mon corps avec une posa déjà à Kobota. Une femme qui était en travail. Et c'est qu'elle est à Bota. Il fallait qu'il puisse enfanter. On a montré un autre signe. Batalisi dragon. On a montré le dragon. Azoko bundisa moi si po aligali a moana. Elle qui combattait la femme pour dévorer l'enfant. Mais tableau zambazo pesa en Apocalypse 12. Mais les tableaux que le Seigneur nous donne dans Apocalypse 12. Dragon coca volia moana terre. Les n'était pas parvenu à dévorer l'enfant. Et les gotales de l'église et vous allez séduire. C'est une montre que l'église ne peut jamais être séduite. Donc nous avons un tableau. Donc nous avons vraiment un tableau. Le fait que nous avons un tableau. Le fait que nous avons ce tableau. Que l'ennemi a besoin d'aller à moi dans la bumouya maman. Que l'ennemi avait besoin de dévorer le fils qui était dans les seins maternels. Tant que ça les tu. Lorsque nous avons fait. Donc on y allait à être. Nous avons vu que les tableaux. Et l'école de la vie est côté de la commune dans l'église. Cela veut dire que l'église n'aura jamais la vie en elle. C'est comme ça que tu vas taper la Bible. C'est comme ça qu'on fait la lecture de la Bible. L'ennemi a voulu qu'on combattre. Donc l'ennemi veut combattre. Mais la vie de Dieu sera toujours. Mais la vie de Dieu sera toujours avec nous. Quel que soit le combat. À ta vie, ton bannier. Bonne année. Pourquoi? Le Seigneur a le bâti que je ne vous laisserai point orphelin. Pourquoi là le bâti est dans votre communauté banabitique? Je serai toujours avec vous. Nakosala kaka kanabino. Nous sommes dans la malam. Nous faisons bien entendre. Maintenant, ce qui est aujourd'hui, Apocalypse 17. Maintenant, si nous prenons Apocalypse 17, Tobani kotanga yangoti Apocalypse 18. Nous commençons à faire la lecture jusqu'à Apocalypse 18. Donc, mon ba chevoana nous mène à langage mususu. Nous verrons les chevaux d'Apocalypse 6, mais dans d'autres langages. Toujours remarquer cette femme. Nous remarquons cette femme prostituée. Dans un monde à cheval blanc, ouais. Où est-ce que nous voyons le cheval blanc? Cette femme a ça comme un mystère. Moi, si Oyo a ça le col à l'imbomba mimobiba. On va comprendre. Tu ne peux pas comprendre cette femme. L'action du cheval blanc. Ne. Punda ya pembe. Tomoni cette femme. Tomoni moi si wana. A vu à son mélissa vin na yéna ma belle bonne. Qui fait boire son vin à tout. La terre. Et nous voyons comment est-ce qu'elle va mal la parole. Cette femme, nous voyons cette femme la impudicité avec tous les rois de la terre. Qui commet l'impudicité avec tout le roi de la terre. Là, nous allons comprendre que c'est lui qui enlève la paix. Et là, nous voyons que moi, si on a dit à l'homme, la kakimia na ma nepo batoba bumana.
Donc, elle peut assister à un roi. Lui dire des choses pour combattre notre roi de la terre. Toujours dans cette femme prostituée, nous voyons les sacrifices à Basanto. La Bible nous dit dans verset 20 et Apocalypse 18. Verset 20 d'Apocalypse. Ciel réjouis-toi sur elle. Ma colosse pela Nicola Moisio. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes. Basanto batoma pe basanto. Réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice à la jugement. Le jugement de cette femme ne s'est pas encore accompli, mais il s'accomplira. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande belle. Je suis dans Apocalypse 18. Nabané na verset 20, na okeleti na verset 24. Maintenant, nazan na verset 21. Le verset 21. Et il la jeta dans la mer en disant, Pe apwaka ki libanga ona na kat. Ainsi sera précipité avec violence Babylone. Onde ba kobwaka Babylone na makasi makasi na la grande ville. Et gumba monene. Et elle ne sera plus trouvée. Pe komona yango lisusu te. Maintenant, tu es dans le verset 23. Toujours, il y a Apocalypse 18. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Il y a Paul et Amouinda et tout ce qui est pas là. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Paul et Amouinda et Copéna. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue. Chez toi. Mais mon congo y a mon bal y a l'ibala, puis à moi c'est l'ibala, et pour yoga n'a que sous tes pailles. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Oui, tes bâtés qui n'a yo, basala qui va continuer à terminer, n'y a ma belle. Donc, ma grande de la terre. Donc, les grands de la terre. Basa bandimi à Babylone. Sont des fidèles de Babylone la grande. Ozo va piriguette. Et tu prends des piquettes. Ozo banane. Et tu prends tout ce qui tout ce qui peut être grand sur la terre. Bible c'est la Bible qui me l'a dit. C'est je suis seulement amoureux de cette écriture. Ou bien on dose à la vérité, Bible est à la mensonge. Ou bien c'est toi qui détiens la vérité et la Bible si est la vérité. Si la Bible est la vérité, cela veut dire que tous les grands de la terre, et ça la mangava football, que ce soit du côté du football, donc tous les sportifs là que tu vois des grands, ce sont des marchands de la femme prostituée. Ça c'est la Bible. Mais ça l'hypomie. Étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Donc, osoa ma science, que tu prennes toutes les sciences de la terre. La science de son kim. Donc, bah, solo canyon soit ma belle. Des enchantements. Bah, bikila kila bonganga. Oh, ils ont la supériorité sur toute la terre. Donc, des russes des sciences qui ont des supériorités sur toute la terre. Des enchantements. Oh, ils ont pas la femme Babylone. Ce sont des divinations qui proviennent des Babylone, la grande, la prostituée. Et parce qu'on a trouvé chez elle les sangs des prophètes. Deuxième saut. Donc le deuxième saut. Et des saints. Et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Deuxième saut. Donc nous je regarde que si tu observes les chevaux d'Apocalypse 6, tous ces chevaux, tout le mouvement se retrouve dans la vie de cette femme prostituée. Bonne pourquoi femme prostituée a fendu le colo et a mis à ma oeil à Zalina 3 bêtes, mon imasangis. Parce que la femme prostituée se repose sur la bête qui renferme en elle-même 3 bêtes. Comme lion, comme l'ours,
comme léopard. Donc les animaux qui étaient semblables au lion, à l'ours et au léopard. Dieu bénisse. Amen. Et puissance où il travaillait dans le premier cheval. Et la puissance qui a travaillé dans le premier cheval. Il y a aussi déguisé. Déguisement. Il y a figure. De vouloir se cacher pour donner notre figure. Ils en ont la femme. Se retrouve dans cette femme prostituée. C'est pourquoi lorsque nous remarquons ici, toutes les actions qui se retrouvent dans le deuxième saut, si tu les regardes dans la femme, dans Apocalypse 17, 18, et ça, se retrouve aussi là-bas. Parce que tous les animaux. Parce que cette femme est assise sur la bête qui renferme en elle tous les trois précédents animaux. Grâce soit rendue à Dieu. Vous avez protégé l'Église par les êtres vivants. Parce que le Seigneur protège l'Église par les êtres vivants. L'Église a eu la foi une fois pour toutes. L'Église a reçu la foi ce n'est pas qu'à un certain moment la foi de l'Église était tombée. L'Église était tombée. En 325, lorsqu'on a fait le concile de Nicée en France, et qui s'était organisé pour créer l'Église catholique, alors l'Église était morte. Il faut ajouter à la fin et la parole de cet homme, ton église à toi. Et pas la nôtre. L'église des saints qui a habité à Jérusalem. Nous avons la promesse que Jésus avait dit que je serai tout à tout temps avec vous. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi nous voyons qu'on a donné le nom. Oyamataki na cheval. Du cavalier du quatrième cheval. Kombonaye la mort. Liwa de Kombonaye. Ça le nom qui va s'opérer. Et c'est ça le nom qu'on donne à ces cavaliers. Mais biso déjà dans Gambo na biso. Maintenant, nous déjà de notre côté. Tant que Jésus-Christ a retourné à ses disciples. Lorsque Jésus-Christ s'interroge à ses disciples. Dans Matthieu 16. Dans Matthieu chapitre 16. Au bas dans le verset 13, ils ont posé une question. À partir du verset 13, il leur pose la question. Qui est le verset 18 hein? Jusqu'au verset 18. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, à Tunaki, Baekolinaye, qui dit-on que je suis, Basolo, le fils de l'homme? Basolo, Bakai, Nazalinani, Ngai, Moana, Moto. Il répondit, Bayanoli, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Bamonko, Basolo, Bozali, Yohan, Baptiste, les autres, Élie, Bamisous, Palomi, Ozali, Elia, les autres, Jérémie, Bamisous, Palomi, Ozali, Jérémie, ou l'un des prophètes, Monko, Yabasakoli. Et vous, l'air dit-il. Kasibino, Yesu, Elisibango. Qui dites-vous que je suis? Bino, Molobaka, Nazalinan. Simon Pierre répondit. Simon Ipetelo, Ayanoni. Tu es le Christ. Ozali Christo. Le fils du Dieu vivant. Moi, Nansambe, Nabomoy. A combien de versets 17? Hein? Le verset 17. Il y a Matthieu 16. Jésus reprenant la parole et lui dit, Yesu, soit qui malobali sous soit l'oubli. Qui est Simon, fils de Jonas. Simon, moi, nana, yona. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Oui, tes amis, tout et fomole le makamolobi. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, le fils du Dieu vivant. La pierre dont parle Jésus, c'était la parole de Pierre, tu es le fils du Dieu vivant. Donc tu es Pierre. Christ, fils de Dieu vivant. Mais sur ces rocs qui est le Christ, le fils du Dieu vivant,
Je bâtirai mon église. Nakotongaka église ya nangai. Si tu es fondateur église, Jésus-Christ. Si on te dirait ce qu'il est fondateur de votre église, tu réponds le Christ Jésus. Benazana 25, Matthieu 16, verset 18. Il dit, je suis dans Matthieu 16, le verset 18. Fondateur église, Nabiso, Azana Bomoy. Le fondateur de notre église est toujours vivant. Alonga Liwa. Il avait vaincu la mort. Et que les portes de ce jour de mort. Bébé Kouke Yakiwelo. Tokomona Mona. Quatrième saut. Nous verrons les séjours des morts au quatrième saut. Ne prévaudront point contre elle. Et qu'on donne à Kate Ikolo ya Ecclesia ya Nangai. Maintenant, Église n'est pas Zavana. Maintenant, l'Église telle qu'elle est. Azana Elonga Likolo na Liwa. L'Église a la victoire sur la mort. Maintenant, la mort est la fausse doctrine. Liwa est la dans la chair comme ça nous pouvons mourir. Mais nous sommes préparés pour l'enlèvement. Mais la mort qu'on nomme la mort vraiment. Fausse doctrine. L'idée à ma paix. L'iniquité. Mais pas. Dominer l'église d'air. Cela ne va pas se prévaloir sur l'église du Seigneur. C'est pourquoi tu vas. Banani la mort fait dominer ma. Qui doivent être dominés par la mort? Proverbe 21, verset 16. Proverbe 21, le verset 16. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, moto oyo atambwaka musika ya nzela ya bwanya, repose dans l'assemblée des morts. Ye afandaka na lisanga ya bakufi. Donc c'est l'assemblée mo wabenga ngo assemblée des morts. Donc il y a une assemblée qu'on appelle assemblée des morts. Donc au tali pasteur. Donc tu regardes le pasteur. Mort. Un mort. Ce qui adjoint à son assistant. Archibishop. Tu regardes l'archibishop. Et tout cela, l'assemblée des cadavres. Batou. Donc des gens. Bakoufi. Donc des morts, bibébé. Assemblée des mois, la Bible le dit ça. Donc la Bible atteste de telles assemblées. Il y a Bakoufi. Mais banani va se retrouver dans l'assemblée. Mais donc qui vont se retrouver dans cette assemblée? Parce qu'assemblée l'honneur, c'est l'assemblée à cavalier à quatrième saut. C'est cette assemblée dont le fondateur, c'est le cavalier du quatrième saut. Voilà terme qui tombe aux humains, le fondateur. Le fondateur de l'assemblée des morts. C'est le cavalier à quatrième saut. Momati Punda Yatanga Mine. Parce qu'il se nomme la mort. Pour comment naïe. Quand on dit la mort, donc quand on parle de la mort, avant définir la mon ennemi. Comment est-ce que je peux la définir? L'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu. Montez les méliots, montez les mélacanions, se met ami, zambeteur, zambeteur. Parce que Jean chapitre 1er verset 1er. Parce que Jean chapitre 1er le verset 1er. Il dit au commencement était la parole. Et ben les alakas l'iloba. La parole était avec Dieu. L'iloba qui n'a zambé. La parole était Dieu. Ben l'iloba qui zambé. En elle était la vie. La parole c'est la vie. Donc l'iloba. L'adversaire de tout ce qu'on a. Adversaire nionso oyazali kote le mela oye benga mizambe. Donc l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Or Dieu c'est la parole. Ça fait de l'iloba. La parole en elle était la vie. Nakati l'iloba bomoye zalaki. Donc ils ont terminé la parole. Donc ceux qui s'opposent à la parole. La mort. Donc c'est la mort. Nous sommes là, madame. Nous suivons attentivement. Maintenant, quand Batou va rejeter parole. Maintenant, lorsque les gens rejettent la parole, c'est qu'ils vont rejeter vie. Cela veut dire qu'ils ont rejeté la vie. Nani a rejeté parole. Qui rejette la parole? La femme prostituée de l'Apocalypse 17. Et Zali, moi, si tout bas, il y a mon cané, mon lycée, Somi, Nassambo. Parce que hier, la zone s'en a la prostitution. Parce que cette femme-là ne connaît que la prostitution.
complicité à ma belle. Donc un faux enseignement. Et sa prostitution. Et sa pondumba. Azana vin et impudicité. Cette femme a son vin de l'impudicité. Azo s'opposer la vie. Et azo télébé la bombe. Mais azo dominé la terre. Et cette femme domine la terre. Selon Apocalypse 17, verset 18. Selon Apocalypse 17, le verset 18. Nous allons le dire. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la sagesse. Ils vont se reposer dans l'assemblée des morts. Mais pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur va garder la parole. L'église du Seigneur va garder la parole. Nathanaël Apocalypse 17, verset 18. Je lis Apocalypse 17, verset 18. Lisons au nom de Jésus. Et la femme que tu as vue, moi si moi, c'est la grande ville. Qui a la royauté sur les rois de la terre. Oyo azali na bokoti likolo ba communion so ya mabele. Donc ville oyo. Donc cette grande ville. Esa Rome. C'est Rome. Maintenant, cette ville a la royauté sur tout le roi de la terre. Et comme on la présente comme une femme, et comme on la présente comme une femme, avec son vin, qui marche avec son vin de la pudicité, vin tel est son enseignement. Le vin représente l'enseignement, la parole. Donc, cette femme a la présenté comme une prostituée. Une église prostituée. Donc cette femme est présentée comme une église, église ya moko ya Botumba. Église catholique romaine. Église ya ba mupe na loma. C'est Apocalypse 17. Et puis il faut monter à Kango avec plus de respect parce que Nzambe menda le bien. Il faut prêcher cela avec plus de respect parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Ata oza eli wapi. Même si tu es élu. Donc, comme tu me comptes, ou bien tu deviens président ou chef quelque part, il faut faire le voyage dans le Vatican. Il faut faire le voyage vers le Vatican de Rome. Parmi mes premiers voyages, parmi tes premiers voyages, yo, roi de la terre, toi le roi de la terre, il faut que tu adores. Va adorer là-bas, à Vatican de Rome. Ose à la présidente des États-Unis. Et tu sois le président des USA. Ose à la Wapi. Que tu sois où? Le voyage à Vatican. Tu dois faire le voyage vers Vatican. Parce que le verset 18 est levé. Parce que le verset 18 te dit. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Moi, si moi, Yohan, Yomoni, Ezali, Mbamoni, Nazali, Nabokoti, Nicolas, ma communion soit ma belle. Mais elle n'a pas la royauté sur l'église du Seigneur. L'église en Zambé, c'est Christ de Jésus. Celui qui règne dans l'église du Seigneur, c'est le Christ de Jésus lui-même. Et Jésus a émis son tout pouvoir. Et Jésus a dit qu'il nous a donné tout pouvoir. L'autorité. Continue. Et c'est pourquoi tu poses à l'aveugle terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être aveugleux. Si quelque chose est mal, nous saurons que c'est le mal. C'est par grâce. Et ça n'a pas loin de l'homme. La lecture que nous ferons par rapport à une chose. Par la grâce de Dieu, vous allez vrai. Par la grâce de Dieu, ce sera une vraie lecture. Mais d'autres habitants de la terre sont des aveugles. La sagesse de Dieu. Il refuse ou repousse la sagesse du Seigneur. Si tu refuses la sagesse, on va se retrouver dans l'assemblée des morts. Tu seras infidèle de l'assemblée des morts. 1 Corinthiens 2 le dit. 1 Corinthiens 2 dit ceci. À partir du verset 6. À partir du verset 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Tant par le Bible,
parfait. Lorsqu'on parle de parfait, bien-aimé, parmi bateau déjà cola mais manque à bomba. Cela veut dire que la sagesse est prêchée parmi les gens que le Seigneur avait enlevés vers le lieu céleste. Mais nous en avons assez. Mais nous sommes d'abord sur les âmes imparfaits. Mais nous sommes des imparfaits. Mais nous sommes des parfaits. Dans si nos amis bateau bakoka ben pour ma bomba na na mankolo. Amen. Si le Seigneur nous a caché là-bas, là-bas dans les célestes, cela veut dire sagesse. Donc cette sagesse est la nôtre. Pour confirmer cela, j'aimerais dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens 3, dans Philippiens chapitre 3, Paul dit ceci. Non, il faut être heureux parce que le Seigneur nous donne sa parole. Et donc, elle dit parole, les athées. Il n'y a rien qui ne soit plus que la parole. Il faut dire à Dieu merci parce que c'est bien qu'on puisse la parole. Il faut dire à Dieu merci parce qu'il t'a plu de nous donner la parole. L'œuvre que le Seigneur a préparé de faire avec toi, il l'accomplira. Ne faut pas te précipiter vers l'œuvre de l'autre. Ne combats pas non plus ton frère parce que tu as beaucoup d'œuvres à faire. Même si nous prêchons, où nous sommes des frères, mais chaque frère a sa grâce particulière. Même si tu es un chant, vous êtes des frères. Chaque grâce, il y a des grâces particulières parmi les chambres. Que tu sois que tu aies le don de libéralité. Oui. Vous êtes généreuse. Vous êtes kabamingi. Yayope. Sache qu'il y aura aussi un autre qui aura aussi le don de libéralité à sa manière. Donc, il ne faut pas te précipiter. Cherche plutôt la grâce qui est en toi. Et ça, l'analogie de la foi. Puisse se faire suivant le modèle de l'enseignement. C'est toi qui dois avoir l'amour à ce que la grâce que tu as puisse s'exercer selon l'enseignement. Ce n'est pas que je dois faire pour dépasser tel frère ou telle sœur. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais pour dépasser ses frères. Après, Donc tu es plus que deux. Salaire n'est pas cri à nos yeux. C'est ça, les salaires, les cris que là tu as. Donc on a que vanité. Pamba. Lingande mosala ozo sale zala selon la parole. Désire plutôt que l'œuvre que tu fais soit selon la parole. C'est très important. Et salimu tout ya koleka. Remplir. Mission remplis ta mission suivant la parole de Dieu. Référence na yo bien talent est à la parole de Dieu. Que ta référence soit la parole du Seigneur. Na katia ni kambugo yo zana yango. Dans le problème que tu as. Au salon au sentir na katia na yo. L'œuvre que tu sens en toi. Luka yango dans les Écritures saintes. Cherche cela dans les saintes Écritures. Tala lolenge yango est classé. Regarde comment cela est classé. Tangozo mona ezo kokanate. Lorsque tu vois que cela n'est pas conforme aux Écritures. Tiama bolungo na sente dans zambe ko lanzama ndenge komami. Et agenouille-toi et pleure chez le Seigneur afin que cela soit conforme aux Écritures. Lele pas zambe. Implore le Seigneur. Ayo kaka. Le Seigneur écoute la prière. Il dit que ton problème, c'est n'a pas remplir et l'eau comme on place dans mon écriture. J'ai rempli une œuvre. Où est sa place dans les saintes écritures? Je dois d'abord chercher sa place. Ah, Isaac. Matthieu, ça se retrouve ici dans Isaac. Dans Colossiens. Dans Colossiens. Nathan, on a bien, bien. Je lis très bien. Dans la chronique. C'est dans tu retrouves cela. Et miroir que cela soit comme ton miroir. Tu regardes.
Est-ce que je suis en train de l'exercer conformément à la parole? Si cela n'est pas conforme, je me prosterne et implore la grâce du Seigneur. Que je ne regarde pas celui qui dit Naleki. Je suis plus que lui. Yeah. La parole. Regarde la parole, frère. À point wana. À ce point-là. Philippiens chapitre 3. C'est pourquoi nous lisons Philippiens chapitre 3. L'écriture est le Bible. L'écriture nous dit ceci. Alors, Bible, il dit ceci à partir du verset 12. À partir du verset 12. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prix. Exalité que n'a suis déjà talo yamitumba. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Tombe ici na komi na boko kibe. Au moins Nathalie dit que n'a atteint la perfection. Vous voyez ici la montre qui n'a pas encore atteint la perfection. Mais ceux qui ont continué à compter les sacs, tous ont déjà parfait. Mais en continuant la lecture va montrer que nous sommes déjà parfaits. Tous autant abak. Mais je cours. Kasi nazali kukima. Pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. En Jésus-Christ. Au moyen de verset 12, on a dit. Verset 12, il avait dit qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Verset 15. Maintenant, remarque au verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Ayons cette même pensée. C'est pourquoi je suis dans les textes que je lis. Dans 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2. Donc, attendez ce que il a encore une perfection. Qui n'a pas encore atteint la perfection. Hasard déjà parfait. Tassi a conga déjà belle. Parfait dans le sens que Christ Jésus s'y a mené à Kenanayon. Parfait dans le sens que Christ Jésus t'avait déjà pris pour aller avec toi là-bas dans les lieux célestes. Mais ici sur la terre, tu n'as pas encore atteint la perfection. Le Seigneur te perfectionne pour te rendre semblable à toi qui es la perfection. Maintenant cela que le Seigneur a déjà. Sagesse. Sur la terre, ils vont et ils se feront savoir dans les soucis de connaître la sagesse de Dieu. Est-ce que vous avez malam? Oui. La sagesse est prêchée parmi les parfaits. Wana wana ete ami na katika tia bato yo bakoka be. Mutu nzamba bomba. Donc celui que le Seigneur a caché là-bas au ciel. Awana se. Ici sur la terre. Avec la connaissance. Il va aimer la connaissance de la parole. C'est un signe. Esaïe signe. Parce que connaissance on est là pour connaître Dieu. Parce que cette connaissance c'est la connaissance du Seigneur. Il faut aller dans mon cas. Il doit beaucoup l'aimer. Tant qu'à se comprendre, l'autre des fois, se déranger. Lorsqu'il ne comprend pas une chose, il doit se déranger. Oui, c'est la nature, il y a eu Zamba Bomba. Et ça, il y a eu Zamba Bomba, il y a eu Makolo. C'est ce qu'il dit ici. Alors, bien, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Donc, quand ils allaient, moi, nous tous allaient à côté à Katika, tu as parlé de la coca-belle. Ah, ouais, verset 6 à 1 Corinthiens 2. Ici, au verset 6 de Corinthiens 2. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Moi, il y a où ils allaient, il y a Ekekioyote. Ekekioyote, ça n'a pas théologie. Ces siècles-là de théologie. Maïel est un bon moto. Les sciences des hommes. Ni des chefs de ces siècles. Ton père, il y a ma côté qui vont être anéantis. Paul parle clairement bien. Si tu es seulement un chef de ces promesses, mes amis.
Quelle est ta promesse? Il sera anéanti. Ton anéantissement. Tiens, frère, na yona verso. Il faut mettre ton frère dans ces versets. Verset 7 maintenant. Le verset 7. Frère, non, quoi dans le verset? Les frères qui entreront dans ces versets. Ton frère va entrer dans ces versets pour être à la chef de ces siècles. Pour être politicien, chef de ces siècles. Oui, c'est ça. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Tous ont été envoyés à Zambé. Mystérieux et caché. Oui, pour maman pizza. Que Dieu, avant les siècles, Zambé, Yamboyami Kéké, avait destiné pour notre gloire. Yé, à Bomba Kayamo, pour n'a qu'un bon abisso. Maintenant, ceux qui refusent la sagesse de Dieu se trouvent comme un ensemble de morts. Se retrouvent comme des fidèles de l'ensemble de morts. Vous comprenez les amis? Vous suivez attentivement? Dans Proverbe 21, verset 16. Dans Proverbe 21, le verset 16. Les amis n'a pas fidèles l'assemblée des morts. Les amis n'a pas ni à l'issanga ni bébé, ma poufi. Les amis n'a pas la sagesse. Ce sont ceux-là qui rejettent la sagesse de Dieu. Au moment d'un bateau, vous pouvez voir des gens. Azapa le bigaza assemblée des saints et assemblée des saints. Mais Azapa assemblée des morts y est beaucoup. Y est beaucoup les sanda y a ébébé. Au bout des nids. Comment est-ce que tu vas les trouver? La connaissance est. Boye bideni. La connaissance est. Boye bideni. La connaissance est la connaissance. Boye bi, boye bi. Maintenant. La connaissance, c'est ce qui donne la crainte de Dieu. Yoga. Tu as seulement la crainte. La crainte de Dieu. Et ça, la combat passe de côté. Vraiment, c'est pitoyable. Ceux qui méprisent la sagesse se retrouvent dans l'assemblée des morts. C'est un verset. Mais les enfants du royaume, la sagesse est pour eux. La sagesse est pour eux. C'est cette sagesse que nous prêchons. Yangonde ezoko préserver biso devant la femme prostituée. Et c'est cette sagesse qui nous préserve devant la femme prostituée. Moi, c'est Douba. Et toute sa manière à travail. Et toute sa manière, la déclaration. L'Olé a installé sa doctrine. Comment est-ce qu'elle a installé sa doctrine sur la terre? Les diables, l'antichrist. L'antichrist. Les diables vont télémédicter. Il y a un monde qui a trouvé dans le séjour des morts. Et c'est ce que nous trouvons dans les séjours des morts. Donc, dans les assemblées des morts. Dans les assemblées de morts. Donc c'est une assemblée qui rejette la sagesse de Dieu. L'Issanda ou Yoba. Là, ils sont emprisonnés par la femme Babylone la grande. Et cette assemblée sera prisonnière de la femme prostituée Babylone. Est-ce que vous aurez un malin? Amen. Aux juives églises protestantes, l'église union aux monde, même semence allées dans leur mère catholique. Vous prenez les églises protestantes des missionnaires, la même semence qui est dans leur mère catholique. Et c'est celle qui se retrouve dans toutes ces églises-là. Même les frères des messages de Branham sont des filles catholiques. On dit que catholique, il y a un culte et pas il y a un branhamiste. Un fidèle catholique s'était rendu au culte chez les frères du message de Branham. Azaraki légion parmi ma légion de Marie. Ils étaient maman légionnaire là chez les catholiques là-bas. Après que tu en as coupé la guine. Après ce culte là, je l'avais croisé. Et puis singa il a ouvert vraiment m'a invité kinga awa par votre message à Branham. Vraiment papa on m'avait invité par les branhamistes. Alors que ah ton cocani vraiment papa nous sommes les mêmes, nous sommes semblables. J'ai vu notre crucifix là-bas. J'ai vu la photo de Jésus. Je l'ai dit, maman, tu as dit la vérité, vous êtes semblable. La maman avait vu vraiment qu'ils étaient semblables.
Quelle est cette église? Quelle est cette église quand on cite les noms de leurs prophètes? Leurs prophètes, ils sont en liesse dans la grande joie. Si on cite les noms de Jésus, les gens sont là tout calmes, des amens. Ce sont des idolâtres. Il n'y a qu'un seul nom et ça me l'a dit. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour le salut. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, Massia. Amen. Il n'y a pas un autre nom. Comme mon souci, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Et tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus. Nicolas, comment est-ce au ciel, sur la terre, sous la terre, dans ces siècles et dans les siècles à venir. Le nom de Jésus-Christ. Et quand tu trouves les gens, qui élèvent mon tourment par beaucoup d'assemblées à mort. Ils sont dans l'assemblée de mort. Cavalier, quatrième cavalier, ils ont dominé. Et le quatrième cavalier les domine. Parce que place à parole les amis, vie les amis. Parce que la vie se trouve là où il y a la parole. Mais loco, la quatrième être vivant s'est présenté comme l'aigle qui vole. Loco, la que nous avons mis les idées et que là où nous avons mis les azali, m'pongo azali ko pumwa. Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4. Nous autant gaiambo. Nous le disons. Au verset 6. Au verset 6. Tout en même verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Et que là où il y a le bosseur, il y a un cocanina, cosi. Le second être vivant est semblable à un veau. Il y a un balé à cocanina, mon angombe. Le quatrième, le troisième être vivant à la face d'un homme. Il y a mis ça dans un éloge à moto. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Nous l'avons vu en Égypte. Ayaki comme l'aigle qui vole. Ayaki loko la pourquoi zali ko pumbwa. Exode 19 verset 4. Exode 19 le verset 4. Exode 19 au verset 4. Exode 19 le verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Bino momoni oyo na sali n'Égypte. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, lorsqu'il était venu en Égypte, il était venu comme l'aigle qui vole. C'était pour prendre le peuple et voyager avec lui. Au quatrième saut, il y a la présence du quatrième être vivant. C'est l'aigle qui vole. Et Zali Pongoko Pumboa. Donc c'est que tout le monde a départ à Bisouezawa. C'est que nous voyons qu'il y a notre départ ou notre enlèvement au quatrième saut. Mais tout à l'heure, il y a quand départ est en quatrième. Mais nous avions montré que même si notre départ est au quatrième saut est continué. Mais le quatrième saut continue. Après le départ de l'église. Après le départ de l'église du Seigneur. Les cavaliers, moi, Azali, mon matipunda. Les cavaliers, mon matipunda. Yéwana, Azana, Katia, la bête.
Et c'est lui qui est dans la bête sur laquelle est assise la femme prostituée. C'est pourquoi nous avions dit qu'en lisant Apocalypse 17, sur le jugement, il y a femme prostituée. Vous allez voir vraiment la présence de ces quatre chevaux d'Apocalypse 6. Vous lisez Apocalypse 17. En lisant la quatre femmes, deuxième saut. Vous voyez vraiment le deuxième saut. Autant qu'il continue, premier saut. Tu continues à l'être premier saut. Autant qu'il continue, troisième saut. Vous lisez vraiment troisième saut. Na vigno sur femme prostituée. Dans toute la vie de cette femme. Pour la contagie, ça qui est instrument oyoyo, l'esprit antichrist a utilisé. Pour montrer que cette femme est l'instrument de l'antichrist. Le lègue bisou de l'obaga. Ce n'est plus nous qui vivons. Et la même manière nous disait, Zali, nous sommes tenus dans Zali, au pic à Jésus. C'est Christ qui vit en nous. C'est Zali, Christ qui est au pic à 4. Dans l'Angoana aussi, c'est cet esprit antichrist. Mais de son côté aussi, l'esprit de l'antichrist. Qui travaille dans la femme prostituée. Les gens salam, on salam, à 4 à moi, si on a Ndumba. C'est pourquoi, on numère vraiment le mouvement à Basso, dans l'Apocalypse 17, la 18. C'est pourquoi tu vas retrouver les mouvements des cavaliers de sang dans l'Apocalypse 17 et 18. Dans cette femme prostituée. Dans 4 mois, si on a un Ndumba. Tout mouvement. Bah, mouvement. On va voir dans l'Apocalypse 17 et 18. On va le voir dans l'Apocalypse 17 et 18. Mais Babylone, où est cette femme prostituée? Mais Babylone, qui est cette femme prostituée? A qu'on domine jamais la vraie église. Ne va jamais dominer la vraie église. Église Nathalie Sakabino, Eza Lolenge à Kozala. Je vous ai toujours montré que l'église, c'est l'état ou la manière d'être. C'est l'assemblée à vie. Donc c'est l'assemblée où il y a la vie. Oui, Bobby, l'enseignement. Qui garde l'enseignement. Il faut être très jaloux d'enseignement. Il faut que tu sois très jaloux avec l'enseignement. Au Kakola, l'enseignement. Il ne faut pas réduire l'enseignement en rien, non. Ce qui est reproché, si l'enseignement te reproche, je me rabaisse. Je laisse l'enseignement être tel que ça est. Moi, l'enseignement, l'enseignement est pour avoir raison. Un enfant de Dieu ne détruit pas l'enseignement pour qu'il ait raison. Ce qui est enseignement reproché, il faut quitter. Si l'enseignement le reproche, il doit se rabaisser. Il va laisser l'enseignement demeurer à sa place. C'est ça. Né à Moana, un fils de Dieu ou du royaume. La vie, ce qui va reprocher. Dans la vie, si on te reproche, de... on réagit pas comme ça. Non, non, non. Mais il réagit seulement pas comme si tu as. Oui, ça va pour tout le monde, va reprocher. Parce qu'il y a un temps. On regarde la défaut. Au lieu de regarder son défaut. Bon, oui. Alors, bon, oui. Alors, c'est vrai. Bon, 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 bon. Tu ne deviendras jamais meilleur dans les choses de Dieu. Baboya la correction. On ne repousse pas la correction. C'est ça Proverbe 15. C'est ça Proverbe 15. Oya boya la correction. Celui qui repousse la correction. Mourra. Akokufaka. Après se retrouver toujours dans l'assemblée des morts. Donc il va se retrouver dans l'assemblée des morts. Parce qu'il refuse la correction. Parce qu'il refuse la correction. La correction est liée. Lorsque la correction te parvient, ramasse-toi et le Seigneur va t'élever. Dieu aime les humbles. Dieu, Nzambe, il aime les humbles. Sokoza en orgueille. Soki osali moto lo lendo. Ata osali 20 ans. Même si tu fais 20 ans. Dans les choses de Dieu et l'évangile. Conclusion, vous allez retrouver dans l'Ibanda. La conclusion, tu vas te retrouver en dehors de ces choses un jour. Tu deviendras même vedette là-bas dans le monde, grand païen. Je te livre. C'est seulement le Seigneur voit en toi de l'orgueil. Parce que Dieu sonde les cœurs. Il y a un esprit d'orgueil. Il regarde l'esprit d'orgueil. Les gens ne le voient, ils peuvent même lui le voir. À vous préparer le pain trempé. Il va te préparer l'épée qu'il avait trempé dans les vins.
c'est lui qui l'avait donné à Judas. D'autres leur avaient donné, ils étaient là. Mais Judas. Mais Judas, frère. Jésus qui l'avait donné. C'est pas Jésus qui l'avait donné. Mais Satan entra. Car si Satan a été à côté de il a senti vraiment le désir de vendre son maître. Il sortit de lui. Qui l'avait permis? Jésus. Jésus, il est mon beau. Parce que Satan. Parce que Satan. Simon. Il avait besoin Pierre. D'utiliser Simon Pierre pour livrer Jésus. A Sengi et pas Jésus. Il a réclamé l'âme de Simon. Avec Jésus. Moutoaza Mouloko Mingi. Simon met trop la bouche. Et Santa Yende. Livre-le-moi. Il met trop la bouche. Livre-le-moi. Satan, c'est dans la permission pour ça. Parce que Satan demande la permission pour travailler. Avant qu'il opère dans la vie de Job, il s'était d'abord entretenu avec les Satan. Ils se sont croisés. Le Seigneur a dit, d'où viens-tu Satan? Écoute ça, sa réponse. Je viens de parcourir la terre et de me promener. N'as-tu pas remarqué mon serviteur? Le Seigneur a vanté son fils. Satan le dit, ah, c'est parce que tu l'as béni. Étends pas ta main, touche ses biens et tu ne verras pas si tu es réuni en face. Le Seigneur dit, va, t'aider. C'est Dieu. Et ça t'a béni à paix sa cancella. S'il ne permet pas et cela ne s'accomplira pas non plus. Jésus a dit à Simon. Simon, Satan t'avait réclamé. Simon, Satan a sengaki o penza. A expliqué même que Satan sengaki. Mais il a expliqué même la manière. Donc, Satan a mis ça qui Jésus. Satan avait dit à Jésus. Pesanga Pierre nami kaelo pola bani. Livre-moi Pierre afin que je les crible comme on le fait pour les froments. Pierre a dit tellement parce que Pierre mettait trop la bouche. Jésus, à ta bâtonnion sur ma disciple, sur ma tique. Même si tous ses disciples étaient moi, jamais je ne pourrais les voir. Là, Satan regarde ta Jésus, livre-moi celui-ci. Sogotikali à côté les mains. Si tu restes debout, ce n'est pas par tes efforts ou ta force. Au moment de quoi, quoi il s'amène à prendre. Tu vois ton frère qui tombe, prie en sa faveur. Et ça te oblige à y aller. Que ça soit pas ton sujet de moquerie. Mais ça soit une prière. Et ça soit une prière. C'est comme David dans Amonaki Shit. C'est comme David lorsqu'il avait vu la Saoul na Jonathan. Et Saoul et son fils Jonathan. Alors, ne dites pas cela dans les rites d'Ascalon. Ne révélez pas aux Philistins ce qui nous est arrivé. C'est ça la nature de Dieu. Pour Simon a dit qu'il a la position et bien. Pour que Simon demeure dans la bonne position. C'est Jésus qui est décédé pour Simon. Et ça lui est soudé à Samela qui est. A émissé Simon que moi j'ai intercédé pour toi. Il a dit à Simon à Samela qui est Boutou. Pourquoi y a-t-il? Pour que tu ne sois pas livré à Satan. C'est Jésus qui lui a dit cela. Ah, na émission que Pierre na porte na a ouais va supporter ma frère. Pierre aussi en son compte il saura supporter les frères. Eh bien, il ne dit qu'à y être dans la macamanza. Il sait qu'est-ce qui a fait qu'il puisse demeurer dans les choses de Dieu. C'est la prière de Jésus. Et ça le sang de Jésus Christ. Il va prier chez le Seigneur en faveur de son frère ou de sa sœur. Que Dieu te bénisse. Zambé à Pambolayo. Là où nous gagnons dans Luc 22. Là, tu l'auras où tu vas aller chercher dans Luc 22. Donc, ce que nous autres ça d'abord, c'est que nous montrons d'abord bien dans ta conclusion, ton tambolika kanali kamboya.
cheval pâle. Dans la conclusion, nous avons marché en ce qui concerne le cheval pâle. Te présenter que Moussala Nyonso est la première saut. Il y a cavalier, la deuxième saut, la troisième saut. Nous avons présenté que toutes les actions qui sont dans les cavaliers, les quatre chevaux, les quatre saut, trois chevaux, les trois premiers chevaux, c'est la carte, il y a quatrième. C'est recouvre dans le quatrième cheval. Il y a Apocalypse 17 à 18. Et c'est ce que nous avions vu aussi dans Apocalypse 17 et 18. Quand on a quatre, il y a cette femme. Seulement dans cette femme. Femme ou une femme de l'ennemi bête. Cette femme est assise sur une bête. Bête ou une femme de Apocalypse 13, verset 2. Cette bête, on en a parlé dans Apocalypse 13, verset 2. À 5 ici, Banyama Misato. Elle renferme trois bêtes, le lion, l'ours, léopard. Et les léopards. Et toute cette puissance qui se retrouve sur la femme prostituée déguisement et qui parle de l'œuvre du déguisement à quoi cheval blanc. Là c'est le cheval blanc. L'aspect neti baza basantu. L'aspect comme si c'était le sang. Donc la baza vraie église. Comme si c'était la vraie église. Mais c'est la fausse église. Car c'est l'église man. Et dans cette femme, il y a l'aspect du cheval roux. On a trouvé dans cette femme les sangs des saints. On a trouvé dans cette femme maculaire, le sang. Et en elle, on trouva aussi les sangs de tous ceux qui sont morts sur la terre. C'est le deuxième saut. Né dans la terre. On a trouvé avec le vin de l'impudicité. On l'a servir. On l'a trouvé en train de servir le vin de l'impudicité au roi et à tous les habitants de la terre. C'est prêcher mal l'enseignement. Et ça lui côté à l'iniquité. L'idée, Tomoni combien Azali na supériorité sur toute la terre na enchantement. Et nous voyons combien il a la supériorité dans ses enchantements pour Ganga, pour Solomon. Et nous disons que toutes les fausses adorations de la terre sont dominées par cette femme prostituée catholique sont romaine. Dominées par cette femme prostituée qui est l'église catholique de Rome. Et nous disons ceci. Oyezo protéger l'église, c'est la sagesse. Ce qui protège l'église, c'est la sagesse. Avec la sagesse, moyen on se retrouve dans l'assemblée à mort et à terre. Avec la sagesse, il n'y a pas moyen que tu te retrouves dans l'assemblée de mort. Il y a tout le temps qui Proverbe 21, verset 16. On avait lu Proverbe 21, le verset 16. Alobi, l'homme qui s'écarte de la voie de la sagesse. Moto yazo tangwa ko kende mosika ko lopana tela kwanya. Yenda zo kuta manakati assemblée de morts. C'est lui qui se retrouve ou repose dans l'assemblée de morts. Ba oyo bazo pelo ya la sagesse la parole de Dieu. Donc c'est qui? Ba oyo bazo boya la sagesse. C'est qui refuse la sagesse? La vraie parole. La vraie parole. Ba ko se retrouver comme bana ya la moro azana. Ils vont se retrouver comme le fils ou le fidèle du cavalier du quatrième saut. On a leur enseignement textuellement avec la mort. Vous allez voir que leur enseignement se ressemble avec la mort. Ce qu'on a église la femme prostituée. Si tu te rends dans l'église de la femme prostituée, là-bas c'est comme la récréation, le divertissement. Le divertissement masano. Le curé à son côté, c'était un grand fumeur de chambre. Samedi, samedi, ne reçoivent pas les fidèles, mais c'est pour les ambiances terribles. Ils chantent vraiment, ils chantent et dansent des musiques mondaines. Parce que le Seigneur a toujours cela qui le protège dans le malheur. Même si vous protégez votre iniquité de quelque chose, il va tirer toujours l'un de vous qui puisse se repentir. Un curé s'est repenti. Il n'y a plus moyen que vous puissiez le fermer la bouche. Et puis il va témoigner pour montrer qu'il est devenu un fidèle du Seigneur. Il commence maintenant à raconter ce qui se passe dans les couvents. Et là il montre que le Seigneur est très puissant. Même si vous fermez les couvents en clair.
On ne reçoit pas les sentiments. Mais le Seigneur va quitter un de vous pour se répandre. Il va raconter tout ce qui se passe là-bas dans les couvents. Mais déjà l'écriture s'est mettée qui a moyen. Maintenant l'écriture l'avait déjà révélé il y a bien longtemps. Et le but enchantement nion sur toute la terre. Mais qui là qui la nion soit bon tanga solo kanamabé. Les années y a appartiennent à la grande prostituée. Là c'est la Bible. Bible y a les. Mais yo ko s'échapper na makambo na yeso ko garder enseignement. Mais toi tu vas t'échapper à ces enchantements si tu gardes l'enseignement. Toutes ces doctrines. C'est ce qui se retrouve dans l'ensemble des morts, le séjour des morts. Toutes les doctrines basées tombe la mort. Qui élève des hommes, des mortels, l'ensemble des morts. Se retrouve dans l'ensemble des morts. Toutes les doctrines basées basées négliger l'enseignement de la Bible. Toutes les doctrines qui négligent l'enseignement de la Bible. La femme ne peut pas prêcher. On leur a dit que la femme ne peut pas prêcher. Bango bâti un berger. Et ils ont établi berger, maman mon bâtiel. Visionnaire. Donc, ils ont établi le visionnaire. Kiti, y a papa na maman, ils ont vu la chaise de Louis XIV, de papa et de maman devant. Ils ont vu l'assemblée des morts. Ils sont là bawa. Zambazate. Il n'y a pas le Seigneur dedans. Même si on cherche Jésus avec douceur, ce n'est pas tout ce qui me disent Seigneur qui entrera. Ce n'est pas ainsi. Ils ont gardé la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui gardent la volonté de Dieu. La parole. Lorsque tu gardes la parole, beaucoup vont se moquer de toi. Mépriser. Beaucoup vont te mépriser. Mais ils gardent la parole et ils ont un salaire. Mais garde la parole car elle a un salaire à la fin. Mon foot, il y a ça encore. Les rémunérateurs et il va payer et les méchants et les justes. Toi garde la bonne part que tu as. Tu te rends au travail, on te dit ici porte des courtes jupes. Et ici on met des mèches et des fards à jour. On tient ma rouge, ma jaune. Et puis on coupe des sourcils, on met des jaunes, rouges. On se corrige dans nos ambiances. Tu corriges d'abord ton créateur. Boyan Bogoan. Il faut refuser cet argent. C'est la sorcellerie. Motoki. Toi, tu veux voir seulement la sorcellerie avec les balais, non? Mais voilà, parce que le coup. Ça aussi, on est en train de t'enfouter comme ça de ton sorcellerie. La tâche est pas mousse. Sorcier ou l'okarawan en d'autres. Deye. Kolo société wa. Deye wa. O ponambon. O tikanzo dono libanda. Tolo na yon libanda pour m'en exposer ta patrie parce qu'on te paye. Pour ma client ba yaka ebe. Pour que beaucoup de clients viennent. Donc yon l'okarawan. Le sorcier de la mousse. Deye kolo société wa. Cet employé, tu ne le connaissais pas d'abord dans ton sort, mais tu l'as vu vraiment. Qui m'a dit? Il faut le fuir. La lance à la côté quand Jésus t'aime. Reste enfermé, mais ne livre pas le Seigneur. Gardez parole. Garde la parole. Battez l'enseignement. Garde l'enseignement. Zambe a kufuta yokaka. Et le Seigneur va te rémunérer. Mutatanga kamikola motona mabelo ayebe zambe. Celui qui compte les jours des hommes sur la terre, c'est Dieu lui-même. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Zambe a sala que l'on konyoso qui toko na temps. Quand zambe que temps est réduit. Ne pense pas que ton temps est déjà passé. Zamba yebi. Le Seigneur sait. Abotisa mutaleka defomé kopo. Il a donné l'enfant à une femme et deux femmes ménopausées. Sarah à 90 ans. Sarah à 90 ans a enfanté. Et puis elle était une femme joyeuse. Le même Dieu Aza. Le même Dieu est juste. Il n'a pas changé. Azo continue comme ça. Il continue d'opérer. Garde toujours position à parole. Toi garde tu.
toujours la position de la parole. Côté ta parole, ne livre pas la parole. La lance à la maison à la Kimia. Non, affamé, mais reste en paix. À la ligne à la maison à la Kimia. Je donne affamé, mais j'ai la paix. Pour la bataille, il n'y a pas. Parce que j'ai gardé la parole de Dieu. C'est ce qui est la plus grande des choses. Nous nous levons pour la prière. Tu te témoignes d'abord le Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour la sagesse. La parole de Dieu. Rends grâce au Seigneur pour la sagesse qu'il t'a donnée. Glorifie le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu vivant, nous prions. Tu es le Dieu grâce. Vous allez Zambé Nangolo. Le Dieu de paix de gloire. Vous allez Zambé na Kimia pe na Kembo. Vous allez si comme on est les âmes. Tu es la grande rédemption. C'est toi qui nous as donné la parole de la vérité. Na élevé grandeur na yo Seigneur. J'élève ta grandeur, ô Dieu. Yo allez Zambé moné. Tu es le grand Dieu. Kombo na yo ezali si. C'est ton nom qui est notre rédemption. C'est ton nom qui est notre lumière. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la lumière. Tu nous as fait du bien. Sois élevé au Dieu vivant. Tu nous as donné la parole qui nous garde. Tu nous as donné la parole qui nous fait du bien, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Glorifie. Glorifié. Sois loué. Dans tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous témoignons ton nom. Ton nom magnifique. Ton nom qui est la vie. Ton nom qui est la victoire. Ton nom qui est la rédemption. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus. Jésus. Dans tout ce que tu as fait. Garde-moi, Seigneur. Que je puisse saisir ta parole. Battez-la, mon frère, ma soeur. Garde mon frère et ma soeur. Abattez la parole. Qu'il garde ta parole. Au Dieu grâce. Le Dieu de grâce. Golou, que ta grâce et ta se manifeste dans toutes choses. Merci. Nous te rendons grâce. Dans tous les bienfaits que tu nous as fait. Dans tout ce que tu nous as fait. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et la grâce, la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Verset on va réclamer qui Jésus a envoyé parce que Simon, Satan t'avait réclamé. Les versets qui parlaient de la réclamation de Simon par Satan et Jésus avait dit. Luc 22, verset 31-32. C'est Luc 22, le verset 31 à 32. Le bien-aimé a béni, que Dieu le bénisse. Que le Seigneur bénisse le bien-aimé qui nous l'a fait parvenir. Et Dieu bénisse. Zambé à pour la minute. Aux âmes a fait aussi l'obitaine. Et il ne faut pas manquer la fête de demain.